des losers. Zenga, t'es le dernier espoir du quartier. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo d'humour de Nasdas et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vous êtes tous des losers. Zenga, t'es le dernier espoir du quartier. Ouais. Pour 50 euros, quelle est la... Lui dites pas. Oui. Quelle est la capitale de la France? Paris. Hein? Paris. C'est quoi Paris? Paris. Voilà, regarde, la tête envers, tout le monde est fier pour lui, voilà. Voilà, regarde. Vous savez que je fais très peu de pubs, car je refuse énormément de pubs. Mais quand j'en fais, c'est que c'est du bon, la chaîne. Là, je vais vous montrer un petit plan pour vous qui est pratique. Et la tête envers, ça vaut le coup. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de s'acheter des AirPods 2. Mais la chaîne, là, ce Snap, là, Zig-06, il vend des répliques 2. C'est des répliques, mais de très, très, très bonne qualité. Et franchement, des prix. Hey, les gars, c'est qui veut une paire d'AirPods là? Ah, très bonne qualité, les gars, voilà. Tranquille, vous battez pas. Hey, les gars, c'est qui veut une paire. Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends ou pas? La chaîne, il m'entend vraiment pas. Oh, j'ai eu une relation sexuelle avec ta soeur. Oui? Oui ou non? Oui. Oh. Sérieusement, la chaîne, c'est une équipe très professionnelle. En Ile-de-France, ils vous livrent en main propre. Ils viennent, ils te remettent les AirPods en main propre. Et dans toute la France, livraison postale en 48 heures, la chaîne. Ah, niveau qualité, c'est eux. Et allez voir sa story, la chaîne, vous allez voir par vous-même. Et je veux qu'on lui montre c'est quoi la communauté à Nasdas. Venez, on le choque, la chaîne. Même si t'as pas envie d'AirPods, va sur son Snap. Et allez voir sa story, la chaîne, vous allez voir par vous-même. Et je veux qu'on lui montre c'est quoi la communauté à Nasdas. Venez, on le choque, la chaîne. Mais un AVC avec vous, la tête de ma mère que je vais faire un AVC avec vous. Pourquoi? Mais y a pas de pourquoi. Me dis pas que tu vends ça? Oui. Tu le vends combien? À 7 euros. 7 euros? Oui. Attends, tu l'as trouvé où? Chez moi. Oh. Tu mens. Ça, tu l'as trouvé chez toi, ça? Jamais de ma vie. Chez moi, j'ai que ça chez moi. Je vais te faire confiance. Oui. Je te pose 50 euros là, te les fais pas voler. Non. Tu peux garder tous tes fruits et légumes. Ah, ramène-moi 43 euros. Ramène-moi monnaie. 43 euros. Vous m'avez pris un survêt comme des loups, une veste Nike et une paire de TN. Ouais. Elle est magnifique la paire de TN. Voilà. Et ça t'a fait combien en tout? 430. Ça fait 430 euros? Oula, j'ai rajouté 30 euros de ma poche, mais c'est rien, t'es mon frère. Ah, c'est vrai ça? C'est pas vrai, fils de pute? Oula, ça fait moins que 400. Hein? Voilà. Billy, on t'a déjà dit que tu ressemblais à quelqu'un? Non. Jamais? Jamais. Un dessin animé, jamais de la vie? Jamais. Bah putain. Billy, on t'a déjà... حبيب انا كنت بحلم بيك بعينيك وانا بقلبي يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم حبيبي وديني ديه حبيبي وديني ديه وديني ديه. Donc voilà, c'était la story de Nasdas. Donc c'est un humoriste de Perpignan, du quartier de Saint-Jacques, qui est le plus grand quartier gitan sédentaire du monde, tout simplement. Quelle est la capitale des gitans sédentaires? C'est Perpignan, quartier Saint-Jacques, tout simplement. Donc il fait de l'humour avec toute sa team, la team Nasdas, avec Samos, 4BDV qu'on a vu, il y a aussi Tunsi, et des fois il y a aussi Billy DZ. Donc il fait souvent des petits jeux pour faire gagner quelques billets à son quartier, ça met de l'animation, ça remplit ses stories, il y a de l'humour, de la joie de vivre, de la bonne ambiance, et c'est ça que les gens ils aiment bien quelque part. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.